Salut à tous, c'est Jespra. Aujourd'hui, ça va être un peu un débat que je vais faire. C'est pour les armes à rafale. Moi j'ai commencé sur Black Ops 2, donc je sais pas du tout sur MW2, mais pour ceux qui savent pas, j'ai commencé sur Black Ops Wii. C'était quand il était sorti en novembre Black Ops. L'été, d'après, j'avais eu Black Ops. Donc je commençais assez tôt, mais bon, je l'avais eu sur Wii. J'étais Prestige 15 ou 14. C'est pas ça le sujet. C'est les armes à rafale dans les Call of. Sur Black Ops, comme je vous ai dit, il y a la M16. Il y a le G11 aussi. J'ai failli l'oublier. Sur MW3, il y a type 25 ou 95, je sais plus. Je comprends avec Black Ops 2. Et c'est tout, je crois. J'espère pas dire de bêtises, mais en tout cas, celle que je connais le plus, c'est elle. Après, sur Black Ops 2, il y a la Rafale, mais bon, c'est pas Rafale, c'est coup par coup. Et à Rafale, il y a aussi la SWAT. Sur Black Ops, la M16, elle est pas du tout utilisée, donc c'est pour ça que là, je vais jouer avec. Elle est très très peu utilisée. Et pourtant, c'est une très bonne arme. Hein. On tire au-dessus la ceinture. Au-dessus la ceinture, on one shot souvent. Bon, moins que vu que c'est tir par rafale de 3, s'il y a une balle qui est déviée. Mais sinon c'est ça. Donc dans la tête, sur ouais, une ou deux balles. Ouais, on va dire deux. Mais par contre, ouais, sur les pieds, à moins que vous ayez une super bonne cour, parce que c'est vrai que souvent ça joue sur la cour. Et que vous ayez impact lourd, je pense que ça influe les dégâts, donc mettez impact lourd. Voilà. Et donc la type 25 ou type 95 sur MW3, par contre, elle était énormément utilisée et dite cheatée, parce que elle one-shotait tout le temps, surtout avec tir rapide. Alors là, c'était le calvaire. Je ne vais pas avoir les chiens parce que donc là il y a gentiment Tatiup qui m'a donc il a pas YouTube. Hein. Ben, il avait, mais il a plus, mais qui m'a prêté son compte. Bon, là, il était à. Donc là, j'ai monté niveau 23, mais voilà, au final, en fait, j'ai pris la M16, mais je voulais pour faire un bon gameplay. Mais sinon, j'ai eu l'idée de faire un sujet sur les armes à rafale. Donc, ouais, la type 25 ou 95 était très très utilisée, plus citée. Et sur Black Ops 2, donc la SWAT. Je la vois plus en. Je dis pas que je l'ai jamais vue, mais elle est plus utilisée comment ça s'appelle déjà ça? En sélecteur de tir que en normal, en rafale de 3. Pourtant, elle est autant bien. Et pourtant, ce débat sera aussi pour vous. Essayez-la pour utiliser, vous verrez, vous ferez un. Souvent, si vous la gérez bien, vous ferez un bon score. Donc là, sur cette partie, j'ai pas eu les chiens. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que je me répète. Mais j'ai pas eu les chiens parce que je l'avais pas mis, parce que j'avais pas assez de sous. Mais sinon, j'aurais pu les avoir. Parce que j'ai regardé dans ma carte d'agent, j'avais eu maximum de kills d'affilée 12. Donc j'avais eu 12 kills d'affilée. Donc ça va, c'est assez bien quand même à la M16. Il y avait des prestiges quand même en face. Bon, ça veut rien dire, comme j'ai dit, mais bon, il y en avait. Donc j'ai eu 3 hélicos. Et essayez voir la M16, elle est vraiment bien. La SWAT aussi, elle est bien. Bon, la type 25, je pense que tout le monde la connaît. Bon, je sais pas, elle est abusée, voilà, elle est abusée. Et voilà, c'est tout ce que ça va dire pour la M16. Après, il faut que vous ayez je vous conseille, d'augmenter votre sensibilité, au moins pour jouer avec. Pour bien que comment ça s'appelle? Si à l'ennemi court que vous visez, vous pouvez bien tirer. Après, vous pouvez mettre visée solide. Bon, là, je crois que j'ai mis impact lourd, mais excusez-moi, c'est mon téléphone. J'ai mis impact lourd, je crois. Voilà. Allez, c'est tout pour ce gameplay. Je pense pas que je ferai d'autres épisodes sur d'autres armes. À moins qu'elle fasse un carton cette vidéo et que je fasse d'autres vidéos, par exemple, sur la SMR qui est pas beaucoup utilisée. Et voilà. Allez, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos et si vous n'êtes pas déjà. Aimez la vidéo si vous avez aimé. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez des phrases pour me dire comment améliorer. Vous me dites comment m'améliorer dans le commentaire.
Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Stratégique allié en approche. Avion espion allié en approche.